puisque vous me posez la question de l'intérêt des ateliers canopés dans les territoires pour réinventer la forme scolaire, je pourrais vous répondre très rapidement. Rendez-vous dans un atelier canopé et vous verrez. C'est un très bel exemple de réflexion sur les conséquences de cette évolution de la forme scolaire et donc des conséquences sur l'aménagement des espaces de travail. C'est vraiment l'idée du tiers-lieu, d'un lieu d'échange qui révolutionne complètement la conception la traditionnelle de la médiathèque, hein, où le silence était la loi des reins, où il fallait, il y avait le côté sacré de la consultation du livre. Alors, loin de moi l'idée de dire que le livre va disparaître. J'ai vu cette image-là qui datait déjà de 1900, où on broyait les livres pour extraire le savoir. Je pense que le modèle est très inspirant pour la réflexion sur l'évolution des CDI aujourd'hui, sur l'évolution des bibliothèques universitaires et de tous les lieux de médiation. C'est rapide, c'est brut.